Les sons tendus sont rendus par le doublement de la lettre. Schéma. Un son tendu égale deux lettres similaires. Exemple. Tidi, sueur. Tidi, taille. Ifr, feuille. Ifr, il a caché. Les sons emphatiques sont représentés par un point souscrit. Un son emphatique égale une lettre avec un point au-dessous. Exemple. Id, nuit. Asmid, froid. Azor, racine. Tamtout, femme. Awaray, chameleon. Exception. Le caractère ha ne représente pas un son emphatique. Le point souscrit permet de distinguer ha de ha. Exemple. Ahidous, ahidous. Tahanout, boutique. Ih, oui. Ahad, mercredi. Des sons emphatiques provoquent l'emphatisation d'autres sons voisins. Exemple. Erdl, il a emprunté. Le son la est emphatisé par da. Anri, chaleur. Le son ra est emphatisé par ra. L'emphatisation se sent près des sons ra, ka, kha, za, ra, ka, kha. Exemple. Izri, vu. Amqran, grand. Les lettres ba, da, ta, ka et ga se prononcent de façon différente et s'écrivent d'une seule manière. Un son occlusif égale un son spirant. Une seule écriture. Exemple. Akel ou Achel, terre. Ntet ou Ntet, elle. Tigiwin ou Tigiwin, action. Veva ou Baba, papa. Adrar ou Adrar, montagne. La prochaine leçon sera consacrée aux unités indépendantes. Nous y traiterons la séparation de mots amazigh. Au revoir. Artimililit.